Le festival, ça date donc de 1980, où c'était une année européenne en Belgique apparemment. Et donc, la commune avait demandé à mon papa de faire une semaine de cinéma européen, qui a très bien marché. Et donc, on a continué, enfin, il a continué, j'étais encore fort jeune. Et donc, nous voilà à la 44e édition. C'est d'abord une famille de passionnés de cinéma, bien sûr, mais bien aidé par toute une équipe de bénévoles, évidemment, qui nous aide au quotidien, au festival en tout cas. On a bien aussi montré le cinéma belge dans notre festival, par la journée belge du dimanche, mais aussi dans le reste de la programmation, des films qui sont déjà sortis pour certains, qui vont sortir pour d'autres, mais surtout de faire découvrir à notre public un cinéma qu'ils n'iraient peut-être pas voir. Et là, dans le cadre du festival, les gens sont beaucoup plus curieux, et donc, dans le cadre d'un abonnement ou d'un achat de passe dits films, par exemple, choisissent des choses qui à la curiosité. À la journée belge, nous avons donc Demain si tout va bien de Monsieur Goldschmidt, nous avons BXL et le dernier film de Fabrice Duhels, Mal d'Aurore, qui sortira en décembre. Et deux courts-métrages de Xavier Disqueuve et de vous-même. Pour une région comme Virton, le cinéma flamand est presque aussi exotique que le cinéma danois ou norvégien, parce que c'est loin, c'est loin de chez nous. Et donc, on a bien défendu le cinéma flamand aussi avec Oli Rosita, on a Milano en avant-première. Nous avons une petite respiration avec le dernier Stéphane Liberski. On est un tout petit festival, donc on est dépendant évidemment des maisons de films, des distributeurs qui nous aident beaucoup pour cet événement. La sélection en tant que telle, c'est vraiment au feeling. Mais on a l'expérience, on connaît les réalisateurs, on connaît la sensibilité de nos spectateurs surtout, et on sait ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et on varie entre films grand public, films beaucoup plus pointus, des choses qu'ils n'auraient pas l'occasion de voir autre part, en tout cas dans le circuit commercial. Et ça, pour nous, c'est vraiment important.